appris à Lumna, j'ai de ma vie à son anniversaire. Ah ouais, moi aussi. C'est qui elle? Je sais pas. C'est une nouvelle? Je sais pas. Vous avez vu les filles comment elle est habillée celle-là? C'est écrit au carnaval. Non mais elle se croit dans un livre. Elle sort d'un dessin animé. Non mais c'est pas possible, elle vit dans un autre monde. Elle va la capara plus alors qu'il pleut même pas. Ça fait un... Elle est vexée, elle est vexée. Oh. Bah pars pas. Bah reviens. Il est pas là? Bah non, ton père il a dû repartir au Japon d'urgence. Bah maman, aujourd'hui je suis partie au lycée en uniforme et on s'est moqué de moi. Bah oui, Shina, tu sais très bien qu'en France c'est pas une tenue appropriée. Hein. On n'est plus au Japon. De toute façon, tu t'en fous. À chaque fois que je te parle, tu m'écoutes pas. Vous avez vu l'anniversaire à Luna, c'était trop bien. Ouais, c'était ouais. Trop bien. Oh tiens, voilà Shina. Faut pas qu'elle recouvre, hein, parce que moi j'en ai marre. Peut-être quitter ton uniforme et t'as toujours en mode carnaval. Tiens, attrape une Pokéball. On va retrouver Pikachu. C'est vraiment pas cool de réagir comme ça auprès d'elle. Elle fait des efforts pour changer. Ça va s'arranger, tu veux que j'en parle à un adulte? Non. Si, tu devrais, parce qu'avec tous les efforts que t'as fait, ça aurait dû cesser. Non, c'est bon, t'inquiète, je vais parler à mes parents ce soir. Promis? Oui, promis. Ok. Oui? Ah, bonjour Shina, comment vas-tu? Bien. Justement, je voulais te voir. Alors, j'ai appris que tu faisais des petites bêtises? Oui. Tu peux savoir pourquoi? Je me faisais harceler et j'étais toute seule. Du coup, je me suis coupée les veines. Je comprends bien. J'entends ce que tu me dis. Il y a d'autres façons de réagir que de se scarifier. Heureusement que tes amis sont venus m'en parler.
ou il faut en parler à un adulte qui est autour de toi, c'est très important. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils sont toujours en déplacement. Et puis depuis notre retour au Japon, ils sont jamais là. Et puis comme j'ai 15 ans, bah, ils disent que j'ai pas besoin d'eux. Mais non, Shina, tu te trompes. Tes parents se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais tu ne leur as rien dit. Il faut en parler pour être aidé, c'est très important. Chose que tu as fait. Tu as des gens autour de toi, tu as tes amis, tu as ta famille. Tes parents ont décidé d'arrêter de partir au Japon, ils vont rester là définitivement pour t'accompagner. T'as toute la vie devant toi, profites-en. Et continue à parler à un adulte comme tu es en train de le faire là maintenant. C'est pas grave, je vous pardonne, maintenant on est amis.